sommes en train d'étudier des points de doctrine. We are working, we are studying points of doctrine. Parce que le but, le Seigneur veut que chaque membre de l'Église soit ministre de délivrance et de guérison. Le Seigneur Jésus veut que tu sois the un Lord ministre Jesus de délivrance. Wants you to become a minister of deliverance. Un ministre compétent parce que tu es déjà ministre. An effective minister because you are already a minister. Dieu ne fait rien à moitié. God does not do things in half. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et je voudrais que l'Église bénisse le Seigneur. I would like the church to bless the Lord. Nous sommes nous-mêmes émerveillés par la qualité de nos hommes sur le terrain. We are ourselves amazed by the quality of our people on the ground. Vous avez écouté le témoignage de cette missionnaire numéro 2 qui a prié pour un mort de 15h à 23h, le mort est ressuscité. You have heard the testimony of this missionary number 2 who has prayed for a dead and he rise from death from 3 p.m. to 23 in the night. On a amené le malade, de la missionnaire n'était pas là. She was sent the sick person and her husband was not there. C'est-à-dire le missionnaire numéro 1 n'était pas là. We mean the missionary number 1 was not there. Et la mère de la personne qui était morte voulait rentrer. Elle a dit non, Jésus est là. Laisse. And the mother of a person who was dead wanted to go home. She said no, Jesus is here. Remain here. Cette capacité, this ability, de croire que Jésus est avec elle, to believe that Jesus is with her, c'est ce que chacun devrait avoir. Is what each one should have. Après, elle a combattu. And later she fought it. À un moment donné, elle est partie mettre les habits de délivrance de son mari. At a moment she went and put on the clothes of deliverance of her husband. Ça, c'est une femme exceptionnelle. This is an exceptional woman. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, elle croit au Which ministère mean, de son mari. She believed into the ministry of her husband. Elle croit que son mari est un prophète. She believed that her husband is a prophet. Elle a pris ses habits de délivrance et l'a porté. She took the clothes of deliverance of her husband and she put them on. Elle dit, quand elle est revenue, elle a reçu une nouvelle langue. She said that when she went back, she received a new tongue. Et avec l'interprétation. With the interpretation. Elle a interprété. And she interpreted it. Elle a prié comme le Saint-Esprit avait indiqué. She prayed as the Holy Spirit told her. Le résultat, c'est que le mort est revenu à la vie. The result is that the dead rise from death. Et nous lui avons offert un prix, un cadeau. We give pour dire merci à tous les missionnaires numéro 2. To thank all the missionaries number 2. Donc je vous dis, Dieu nous a donné des hommes de qualité. So I am telling you that God has given us people of quality. Si tu donnais à l'entreprise missionnaire, ne rétrograde pas. If you used to give to a missionary enterprise, please don't backslide. Ces nouvelles, those news, doivent te réjouir le cœur. Must rejoice your heart. Que tu contribues. That you contribute. Pour le bonheur des multitudes. For the happiness of multitudes. À travers l'entreprise missionnaire. Through the missionary enterprise. Donc quand nous nous enfermons ici pour former les gens, on ne mange pas le placali. So when we lock ourselves here to teach people, don't eat placali. Alléluia. Nous avons donné ce que nous avons reçu. We have given what we have received. Et nous donnons ce que nous recevons. And we give what we receive. Et c'est ça, bâtir les hommes.
And this is what we call built-up people. Le Seigneur m'avait déjà utilisé à ramener deux personnes à la vie. The Lord had already used me to take back to life two people. Et le témoignage que j'avais rendu. And the testimony that I gave. Les disciples ont saisi. The disciples seized it. Avec ce témoignage, il y a déjà eu plusieurs résurrections de morts. With this testimony, we have got lot of resurrection of dead. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from what we hear. Nous allons étudier 10 points de doctrine relatifs au dessein de Dieu. Mais notons d'abord quelque chose sur le dessein de Dieu. We are going to study 10 points related to the doctrine of God. Le dessein de Dieu est le plan éternel de Dieu. The purpose of God is the eternal plan of God. Le plan que Dieu a conçu pour la rédemption de l'humanité. The plan that God has conceived for the redemption of humanity. Dans, quand tu lis la Bible, tu verras qu'on parle des desseins de Dieu. Après, on parle du dessein de Dieu. When you read the Bible, you will see that people speak about the purposes of God. La Bible parle. The Bible speaks about the purposes of God, and later you can find the purpose of God. Les desseins de Dieu sont les volontés de Dieu. The purposes of God are the wills of God. Le dessein de Dieu est le plan de Dieu relatif à la rédemption de l'homme. The purpose of God is the plan of God related to the redemption of human being. Depuis la chute de l'homme, since the fall of man, tout ce que Dieu fait, all that God does sur cette terre, on this earth, est relatif à son dessein is éternel. Related to his eternal purpose. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez, le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Write down, the purpose of God can never fail. Tout ce que Dieu fait, toute la sagesse que Dieu manifeste, c'est pour le salut de l'homme. All that God does, all the wisdom that he shows, is for the salvation of men. Même quand son fils va à la croix. Even when his son goes to the cross. Même quand l'église est persécutée. Even when the church is persecuted. Il y a des, tout ce que Dieu laisse, il le laisse par, à cause de son dessein pour l'homme. All that God let, he let it because of his purpose for man. Et tout ce qui se passe, and all that happen, accélère l'accomplissement du dessein de Dieu. Quicken the completion of God's purpose. Toutes les persécutions que vous voyez, all the persecution that you see, concourt pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Work for the completion of God's purpose. Vous notez ceci. Write this. Isaïe chapitre 53, par exemple. Isaïe chapitre 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire que Dieu brise Jésus par la souffrance. Pourquoi? Le dessein de Dieu. God breaks Jesus by suffering. Why? For the purpose of God. Ce dessein de Dieu, c'est quoi? Le salut de l'homme. What is this purpose of God? The salvation of man. Et plus loin, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est le dessein de Dieu. Tout ce qui arrive à Jésus par annoncé dans Isaïe 53, c'est pour l'accomplissement du dessein de Dieu. All that happens to Jesus and which are related in Isaiah 55 are for the completion of God's purpose. Lis pour nous Romains 8, verset 20, verset 30. Read for us Romans 8, verse 28 to 30. Au Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance,
Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. That this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Amen. Ephésiens 3, verset 11. Ephésiens chapitre 3, verset 11. Selon le destin éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. And to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God who created all things. Amen. Vous notez ceci. Write this down. L'Église a été bâtie par Jésus pour une mission précise. The church has been built up by Jesus for a precise mission. L'Église a été bâtie par Jésus pour une mission précise. The church has been built up by Jesus for a precise mission. Une mission annoncée au peuple de la terre. A mission announced to the people of the earth. Que Jésus est venu accomplir le dessein de Dieu. That Jesus has come to complete the purpose of God. C'est-à-dire offrir sa vie en rançon pour les péchés. Which means pour les pécheurs. To give his life as ransom for sins. Dieu est fidèle. God is faithful. Son dessein s'accomplit toujours. His purpose always is fulfilled. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. Ça veut dire que ce que Dieu a prévu, frère, que personne ne te trompe, ça va s'accomplir. It means that what God has planned, no, let no one deceive you, that will come to life. Même si le nombre d'incrédules augmente sur la terre, le dessein de l'Éternel va s'accomplir. Even if the number of unbelievers increase on earth, the purpose of God will come to life. Même si le nombre de blasphémateurs augmente. Even if the number of blasphemers même si increase, les fausses religions augmentent en nombre. The false religion increase. Même s'il y a des opposants. Even if there are opposants. Le dessein de l'Éternel va s'accomplir. The purpose of the eternal will come to life. Son dessein s'accomplit toujours. His purpose always is realized. Vous avez vu comment Jésus a prié à Gethsemane. You saw how Jesus prayed in Gethsemane. Demandant à Dieu son Père de retirer la coupe si cela était possible. Asking his Father, God his Father, to remove the cup if it was possible. Le Père a refusé pourquoi? Why did the father refuse? Pourquoi? Why? Il y en a qui cherchent loin. Afin que son dessein s'accomplisse. Why are you looking so far for his purpose to come to life? Son dessein devait s'accomplir. His purpose were to be completed. Donc ce que son fils lui demandait. So what his son was asking him? S'il exaucait. If he granted it him, son dessein n'allait pas s'accomplir. His purpose would not happen. Or, il a juré. But he swore que son dessein that his purpose s'accomplit. Can always is always fulfilled. Ça doit rassurer tous les croyants. It must ensure all the believers. Et ça doit effrayer les païens. And it must frighten all the pagans. Chaque païen devrait se poser la question. Each pagan should ask himself, puisque ces choses arrivent certainement, as those things are always arriving, qu'est-ce que je dois faire? What shall I do? La réponse, the answer,
C'est fait comme les croyants. It's do like believers. Ils sont sages. They are wise. Ils ont cru. They have believed. Ils se sont repentis. They repented. Et ils attendent. And they are waiting. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Maintenant, voyons le premier principe. Now let's see the first principle. Sur notre liste ici. On our list. Vous notez le principe de la grâce. The principle of grace. Of the grace. La grâce. The grace. Et la bonté et la faveur que Dieu accorde à tout pécheur. Is the goodness and the favor that God gives to all sinners. Pour son pardon. For his forgiveness. Pour la rémission de ses péchés. For the redemption of his sin. Sur la base d'aucun mérite. On the basis of no merit. Vous soulignez aucun mérite. You say no merit. Dieu accorde le pardon. God gives the forgiveness. Sur la base d'aucun mérite. On the basis of no merit. Vous avez bien retenu ça. C'est simple. It's simple. Did you get it well? J'ai dit cela pourquoi? Why do I say that? Il y a des gens. There are people. Et ils ne sont pas nés d'aujourd'hui. And they are not from today. C'est depuis des générations. It is since generations. Qui essaient de falsifier la doctrine de la grâce. Who are trying to falsificate the doctrine of the grace. Pour eux. For them. La grâce veut dire qu'il n'y a pas de péché. The grace means that there is no sins. Ça c'est déjà très mauvais. This is malhonnête même. This is already intellectuellement malhonnête. Very bad and intellectually dishonest. Parce qu'on dit on reçoit le pardon. Because it is said that we receive a forgiveness. Sur la base d'aucun mérite. On the basis of no merit. Or pour recevoir le pardon. But to receive forgiveness, il faut demander pardon. You must beg for pardon. Or, les faux prédicateurs de la grâce enseignent qu'il n'y a même pas de pardon à demander. While false preachers of the gospel are teaching that there is no pardon to beg. Donc, par définition déjà. So, by definition, ils sont déjà sortis de la vérité. They are already out of the truth. Quand le pécheur reconnaît ses péchés. When the sinner recognizes sins, et que sa conscience est troublée, and that his conscience is troubled, et que le pécheur a peur de la punition qui suit son acte, and that the sinner is scared about the punishment which follows his word, his deeds, il demande pardon à Dieu. He begs pardon to God. Dieu ne lui demande aucune somme d'argent. God asks him no money. Dieu lui accorde le pardon par principe de grâce. God gives him the forgiveness by principle of grace. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si vous m'avez bien compris. If you got me well. Qui reçoit la grâce? Who receives the grace? C'est le pécheur? Non. Is it the sinner? C'est le pécheur qui demande pardon. It is the sinner who asks God pardon. Le pécheur qui demande pardon reçoit le pardon gratuitement. C'est gratuitement là, ça qu'on appelle Dieu lui fait grâce. Il ne lui demande pas d'aller à la croix, il ne demande pas de payer, il pardonne. The sinner who begs God pardon receives forgiveness without paying anything. This is what we call grace. God does not ask him to go on the cross before. Donc je dis la grâce et la bonté. Et la faveur que Dieu accorde à tout pécheur pour son pardon, so, pour la rémission de ses péchés, sur une base, sur la base d'aucun mérite. So I said, the grace is the goodness and the favor that God gives
to a sinner for the redemption of his sins without any merit. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Dieu est lent à la colère. Dieu est riche en bonté. He is slow to anger. He is rich in goodness. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Deutéronome 5, verset 7 to 8. Deutéronome chapitre 7, versets 7 et 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. The Lord did not set his affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples, but it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to your ancestors that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Amen. L'amour de Dieu, so it is God's love, est à la base de cette faveur, de cette compassion. Which is at the base of this favor, this mercy. Il dit aux enfants d'Israël, he tells the children of Israel, j'entre en Égypte, I enter in Egypt, je vous délivre de l'oppression, I deliver you from your oppressor, mais ne pensez pas que vous méritez ça. But don't believe that you deserve it. Ne pensez pas que vous dépassez les autres peuples. Don't believe that you are upper to other people. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. It is not because you were more numerous than others that the Lord set his affection on you. C'est parce que Dieu aime. It's because God loves. Il dit, mais parce que l'Éternel vous aime. He says, because the Eternal loves you. L'amour de Dieu. The love of God. Lui permet de nous pardonner. Allows him to forgive us. Gratuitement. Freely. Deutéronome 9, verset 4 et 5. Deutéronome 9, verset 4. Deutéronome chapitre 9, versets 4 et 5. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de cette nation que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. After the Lord your God has driven them out before you, do not say to yourself, the Lord has brought me here to take possession of this land because of my righteousness. No. It is on account of the wickedness of this nation that the Lord is going to drive them out before you. It is not because of your righteousness, of your integrity, that you are going in to take possession of the land, but on account of the wickedness of this nation, the Lord your God will drive them out before you to accomplish what he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Donc, la notion de la grâce ne se limite pas à cette définition-là. So the notion of grace does not stop at this meaning. Parce que la grâce de Dieu, because the grace of God, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée par Jésus-Christ. Source of salvation of every human being has been shown through Jesus Christ. Jésus a porté les péchés de l'humanité. Jesus has wore the sins of all mankind.
Suivez ça très bien. Follow that carefully. Une autre dimension de la grâce, c'est que Jésus n'a pas attendu que tu naisses. Another dimension of a grace is that Jesus has not waiting for you to be born. Que tu pèches et qu'il porte tes péchés. That for you to sin and that he wore your sins. Il est allé à la croix. He went at the cross. Pour porter tous nos péchés. To wear all our sins. Afin de rendre possible. In order to make possible. Notre salut. Our salvation. Il a porté nos péchés à la croix. He has wore our sins on the cross. Il n'a pas dit qu'il faut attendre. He has not said that we should wait. Que tu manifestes une petite gentillesse. That you show a small kindness. Étant mauvais comme tu es. Being bad, wicked like you encore are. Encore dans les reins de ta mère. In the wound of your mother. Il est mort. He died. Pour toi à la croix. For you at the cross. C'est ça la grâce. This is also the grace. S'il avait attendu que chaque personne après sa naissance, il a un examen. If he had waited for everyone after his birth to have an examination, a test. Je ne sais pas quel récipient allait accueillir les larmes. I don't know. Les larmes des échecs. Sorry, I don't know which tool will welcome the swimming of people of the failures. Frère, on allait tous échouer. Brother, we would all fail. Et lis pour nous Romains 5, versets 1 et 2. Read for us Romans 5, verses 1 and 2. Au Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Amen. Quand tu prêches l'évangile, when you preach the gospel, dis aux gens, tell people que Jésus a déjà porté leurs péchés. That Jesus has already put their sins. Il a porté leur maladie. He has worn their sicknesses. Il a porté leurs infirmités. Has worn all their infirmities. Il a vaincu la mort. He has overcome il a death. Vaincu le séjour des morts. He has overcome the Hades. La responsabilité de l'homme. The responsibility of human being. C'est de croire à ça. Is to believe into that. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ne maîtrise pas ce que les faux docteurs enseignent. Maîtrise ce qui est vrai. Do not master all the false doctors, all the false teachers teach. C'est pour master cette what que is true. Je ne vous dis pas là que les faux prophètes disent que la grâce est comme ça. Non, non, non. Laissez ça. Apprends ce qui est correct. This is why I'm not telling you that false doctor says this and that. No. Just learn what is true. Remplis ta tête par ce qui est correct. Fill your head with what is true. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand celui qui veut boire le coutoukou essaie d'utiliser les versets pour boire, ne l'écoute pas. Dis-lui que tu peux même boire sans lire tous ces versets. When the one who wants to drink the coutoukou are using the verses to justify what he is doing, tell him no, you don't need so. You can even drink without reading the Bible. Dis-lui que est-ce que tu es obligé de tordre les Écritures pour commettre l'adultère? Va commettre. Tell him, are you obliged to bend the Scriptures to commit adultery? Go and do it. Le fait de toucher l'Écriture avant d'aller pécher montre qu'il sait. The fact of touching. Qui sera jugé? The Scriptures before going to sin means that he knows that he will be judged. Quand on dit la vraie grâce. When we serve a true grace, c'est que Dieu t'accorde le pardon sans mérite. The true grace is that God gives you the forgiveness without merit. Nous ne pouvons pas connaître le réveil si nous n'avons pas une doctrine claire.
qui détruit les doctrines des faux prophètes. We cannot experience the revival if we don't have a clear doctrine which destroys the doctrine of the false prophets. Tu dois maîtriser la vraie doctrine. You must master the true doctrine. Est-ce que nous sommes à ça? Have it together. Quand on dit que le président de la République a accordé la grâce, les prisonniers sont sortis, ça veut dire qu'ils étaient encore en prison. Certains devaient encore faire 10 ans, d'autres 20, et certains même étaient condamnés à mort. On dit, le président a dit, bon, à cause, comme nous sommes en train de fêter la fête des indépendances, il dit que tout le monde doit sortir de la prison. C'est ça, on appelle ça la grâce présidentielle. Ils n'ont rien payé. The presidential grace means that prisoners have paid nothing. Some were guilty, some were condemned to death, but the president tell all of them to go out. They paid nothing. This is what we call grace. Dieu accorde la grâce pourquoi? Parce qu'il avait d'abord condamné. Why does God give grace? Because he first of all condemned. La grâce ne veut pas dire que Dieu annule la condamnation. Grace does not mean that God is canceling condemnation. La grâce veut dire que Dieu pardonne gratuitement celui qui demande pardon. The grace means that God forgives for free the one who begs his pardon. Ce n'est pas que tu es en prison, il vient te faire sortir seulement, même si tu ne veux pas sortir, tu sors, non. It is not like you are in prison and God come and take you out, even if you don't want to get out from the prison. No, it's not like that. Lisons dans Tite. Let's read Titus. Verset 11 et 12. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. La grâce enseigne que quoi? The grace teach what? Écoutez, relis à haute voix. Read it again, please. Elle nous enseigne. La grâce nous enseigne. The grace teaches us. À renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. To renounce unholiness. Continue, ce n'est pas fini. Et aux convoitises mondaines. À renoncer aux convoitises mondaines. And worldish wills. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La grâce, the grace par laquelle Dieu nous sauve. By which God saves us. Nous demande. Ask us. De cesser de commettre les péchés. To stop committing sins. D'arrêter l'impiété, d'arrêter la to convoitise. Stop unholiness and voilà la vraie doctrine. This is the true doctrine. Si bien que si tu trouves quelqu'un, so that if you find someone qui dit qu'il a trouvé la grâce de Dieu et il pêche, who says that he has found the grace of God and keep on sinning, il est un envoyé du diable. He is a sender of contre toi, toi qui écoutes un tel homme, ce n'est même pas contre l'humanité. Le diable s'est organisé contre toi. Of a devil who is organized, which is organized against you. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Nous sommes sauvés par. We are saved by grace. La grâce nous dit de ne pas. The grace tells us to not sin. Si tu réponds comme ça, Dieu corrige ta copie. Tu as 20 sur 20. If you answer like that, God corrects your copy and you have 20 out of 20. Je vous dis la vérité. Toi-même, tu as ce témoignage en toi. I'm telling you the truth. You yourself have a testimony in you. C'est avec ça qu'on ferme la bouche des prédateurs, des loups. It with that, des loups cruels. We close the mouth of a wolf. Des faux prophètes. False prophets. Que le diable envoie. That the devil sent. Pour troubler. To trouble. Pour voler. To steal. Pour tuer. To kill. Pour égorger. And to slaughter. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Dieu pardonne tous les péchés de l'homme.
God forgives all the sins of man. Et Jésus pouvait dire à une femme, and Jesus va could et tell ne pêche plus. Go and do not sin again. De peur que le pire ne t'arrive. So that the worst does not happen to you. Elle est pardonnée déjà par grâce. She is already forgiven by grace. La grâce lui donne la sagesse divine, ne pêche plus. The grace gives the divine wisdom. Si tu, don't sin anymore. Si tu pêches, le pire va t'arriver. If you sin, the worst will happen to you. Voilà la vraie doctrine. Voilà this le is principe. The true doctrine. Tu peux aller étudier ça. Tu peux aller étudier. Mais you le can principe, go and start j'énonce les principes fondamentaux, les principes de base. I am just quoting the basic principles. Ce n'est pas tout l'enseignement sur la grâce, c'est le principe, c'est la racine. This is not the full teaching on the grace. Avant it is only the root. Avant de développer beaucoup de choses, tu poses d'abord ce principe de base. Before going further, you just lay this basic principle. Nous sommes sauvés par grâce. We are saved by grace. Au moyen de la foi. Through the faith. Cette grâce nous enseigne. This grace teaches us. Que nous devons arrêter de pécher. That we must stop committing sins. Nous devons arrêter la convoitise. We must stop covetousness. Si tu comprends ça. If you understand that. Tu as déjà vaincu le diable. You have already overcome the devil. Le principe de la foi. The principle of faith. La foi faith est une ferme assurance des choses qu'on espère, etc. Lis pour nous Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11. Commence au verset 1. Start by verse 1. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Lis le verset 6. Read verse 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Ce que Dieu demande à tous les hommes, what God is requesting from all human beings, la contribution de l'homme, the contribution of human being, c'est sa foi, is his faith, c'est d'espérer que ce qu'il entend is to hope va s'accomplir dans sa vie, will come to life in his life. Les promesses, tu dois croire aux promesses de Dieu. You must believe into God's promises. Quand on te prêche l'évangile, when you are preaching the gospel, qu'est-ce qu'on t'annonce? What are you announced? Les promesses de Dieu. The promises of God. Dieu a dit. God Dieu a dit. Said, il a dit. God il said, a fait. He said, il a dit. He did, il a fait. He said, tu crois he did. À ça. You believe into that. Tu ne doutes pas. You don't doubt. Tu ne dis pas, mais il faut que je voie. You don't say, I must see it. Tu crois. You believe. On te dit, Dieu a dit que si tu crois, tu seras délivré du péché. Tu crois. They say, God says, if you believe, you will be delivered from sins. You believe that. Tu ne discutes pas. You don't discuss. Tu ne dis pas que c'est difficile. Il n'y a you pas un homme sur la terre qui peut faire ça. Who can do that on earth? Que je bois depuis des années. I drink since years. Ça ne peut pas finir comme ça. It cannot stop like that. On te dit, Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. You are said, Jesus said, if the Son set you free, you will be truly free. Tu dis, ah, c'est difficile. You say, this is too hard. Si tu le fais, if you do that, tu vas mourir dans ton péché. You will sin, you will die in your sins. Lis pour nous Jean chapitre 8. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis,
vous mourrez dans vos péchés. Amen. Donc quand on te prêche l'évangile, so when you are preaching the gospel, on te dit qui est Jésus pour toi. You are said, who is Jesus for qui you? Est Jésus pour l'humanité. Who is Jesus for qui mankind? Est Jésus pour Dieu le Créateur. Who is Jesus for God the Creator? Tu es là, tu dis ah. You are there and you say Jésus c'est un homme aussi. Jesus is a man also. Il a transformé l'eau en vin. He has changed water into wine. C'est tout ce que tu connais de Jésus. This is all that you know about Jesus. Jésus dit, Jesus says, tu vas mourir dans tes péchés. You will die in your sins. Si vous ne croyez pas ce que je suis, if you don't believe what I vous am, allez mourir dans vos péchés. You will die in your sins. Vous allez mourir dans vos péchés. You will die in your sins. Quand Jésus vient, when Jesus comes, il se révèle aux hommes. He revealed himself to il humans. Dit, je suis le chemin, la he vérité et la vie. I am the way, the truth and life. Pour donner l'intelligence aux hommes. To give intelligence to human beings. Il disait aux Juifs que avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais. Moi, he used to tell Jewish, before Abraham, I was. Les gens étaient étonnés que même petit comme ça. People were amazed. They said, this small one. Il dit qu'il connaît Abraham. Vous voyez, ils prennent Jésus terre à terre. They took Jesus like that. Et il dit qu'il connaît Abraham. And he says he knows Abraham. Il n'a même pas 50 ans. Il dit qu'il connaît Abraham. He has not even 50 years. And ouais. He said that he knows Abraham. Si vous ne croyez pas ce que je suis, if you don't believe what I am, vous mourrez dans vos péchés. You will die in your sins. Si vous ne croyez pas ce que je suis, if you don't believe what I vous am, mourrez dans vos péchés. You will die in Jésus your a sins. Passé tout le temps à Jesus se révéler aux hommes. Has spent all his time to revealing himself to human beings. À se révéler aux hommes. To reveal himself to human beings. Un jour, one day, il a pris le livre du prophète Isaïe. He took the book of the prophet Isaiah. Il a lu he la partie read, qui correspond au chapitre 61. The part which is the chapter 61. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. The spirit of the Lord eternal is on me. Après il a dit le passage que vous venez d'entendre là c'est déjà accompli. And voici. After that he told people the passage you have just heard has already been completed. Et me voici. He says, mais les gens here ont I am, but people doubted. C'est par la foi en Jésus it is by faith in Jesus qu'on entre dans la grâce de Dieu. That we enter into the grace of God. Qu'on entre dans les promesses de Dieu. That we enter into the promises of God. Qu'on obtient le salut de Dieu. That we get the salvation of God. Tu n'as pas vu. You have not seen. Mais tu dois croire. But you must believe. Tu n'as pas vu. You have not seen. Tu dois croire. But you must believe. Jésus te parle du ciel. Jesus speak to you from heaven. Crois. Believe. Ne lui demande pas autre chose. Don't ask him something else. Ne lui dis pas si tu veux que je croie. Don't tell me if you want me to believe in you. Guéris-moi d'abord. Heal me before. Tu as perdu. You have lost. Mais il peut même te guérir. But he can even heal you. Mais il retient son salut. And he keeps his salvation. Et comme tu n'as pas besoin de salut. As you don't need salvation. Mais au jour. But at the day. Du jugement. Of a judgment. Tu vas regretter. You will regret. De n'avoir pas accepté le salut par la grâce. For not having accepted salvation by grace. Au moyen de ta foi. Through faith. Tu vas regretter. You will regret. La contribution de l'homme. The contribution of human being. C'est cette capacité d'accepter la parole de Dieu. Is this ability to accept the word sans of God? Sans discuter. Without discussing. Les autres peuvent dire que tu es fou. The people can say that you are mad. Que tu es insensé. That you are senseless. Mais tu as cru. But you have believed. Écoutez. Listen. La croyance n'est pas la foi. The fact of believing is not faith. La croyance est définie par le nouveau dictionnaire biblique. Je vous donne la définition du dictionnaire biblique. I'm reading the definition of a dictionary. La croyance est définie comme l'adhésion de la pensée aux faits naturels et surnaturels. Je reprends. La croyance. Believing. Écoutez, il y a la foi qui donne le salut. Please listen, there is faith which gives salvation. Il y a la croyance. Quand there on dit is que believing. Pharaon, quand on dit Pharaon était un roi, quand when tu we crois say ça, ce n'est pas la foi, c'est la croyance.
Pharaoh was a king. When you believe into that, it's not faith. It's just believing. Donc la croyance so believing n'est pas la foi. Is not faith. La croyance est définie par le nouveau dictionnaire biblique comme l'adhésion de la pensée aux faits naturels et surnaturels rapportés par la Bible. So believing is the fact of accepting supernatural or natural things as defined in the Bible. Et il y a des gens qui ont la qui pratiquent la croyance, ils pensent qu'ils ont la foi. Ce n'est... Et puis quand les choses de la foi arrivent, ils sont défaillants. There are people who practice believing and they believe that they have faith. And when things of faith happen, they have problems. Donc, la croyance n'implique pas la vie spirituelle. So believing, it does not imply the spiritual life. La croyance n'implique pas le salut. So believing is not salvation. La foi a des rapports directs avec l'œuvre de Dieu. Faith has direct links with God's work. Relatif à la rédemption de l'homme. Relating to the redemption of man. Donc, so, ça fait partie de l'ordre des choses pratiquement impossibles. So it is related to things which are practically impossible. Des choses relatives à la rédemption. Things related to redemption. Et des choses difficiles à croire. And things hard to believe. Et on les compare au monde. Avant la création, on dit que le monde s'il n'existait pas. Dieu a tiré le monde par la parole. And they are compared to the creation. It is said that before creation, this world that did not exist, and God has taken the world through his words. Tu verras que tu peux facilement croire que Joseph était en prison en Égypte et douter que tu peux être délivré du mensonge. You can easily believe that Jesus was in Joseph was in prison in Egypt and doubt that you can be healed. Et douter que tu peux être délivré du péché. And doubt that you can be delivered from sins. Mais tu crois qu'il y avait un homme appelé Zachée. But you believe that there was someone called Zachée. La foi, faith, qui a des rapports directs avec l'œuvre du salut, demande une ferme assurance. Who has direct links with the work of salvation requires a firm insurance. Une ferme assurance des promesses de Dieu. A firm confidence into the promises of God. Les promesses de Dieu au pécheur. The promises of God to sinners. Le pécheur doit croire. The sinner must believe. À ce que Dieu a promis à chaque pécheur. Into what God has promised to each sinner. Tant avant sa conversion qu'après sa conversion. Before his conversion, as after his conversion. Ceux qui ont cette foi-là. People who have this faith. Sont appelés par la parole les enfants d'Abraham. Are called by the word of God, the sons, the children of Abraham. Ceux qui croient. Those who believe. Que les choses impossibles. That impossible things. Annoncées pour eux. Announced for them. Vont s'accomplir. Will be completed, will happen. Deviennent des enfants d'Abraham. Become the children of Abraham. Parce que c'est cette foi-là qu'Abraham avait eue. Because it was this faith that Abraham had. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lis pour nous Romains 4, verset 9. Read for us Romans 4, verse 9. Romains chapitre 4, verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Amen. Amen. Lis Galates chapitre 3, verset 6. Galatians chapter 3, verse 6 to 7. Verset 6 et 7. Galatians chapitre 3, verset 6 et 7. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, on reconnaissait donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. Le principe de la miséricorde. The principe. Of mercy. La miséricorde par rapport au plan du salut et l'amour, mercy. La faveur que Dieu accorde à tous ceux qui peuvent s'approcher de lui pour obtenir le pardon. His love
and the favor that God gives to everyone who can come close to him to receive redemption. La miséricorde. Mercy. C'est cet amour, cette pitié, cette it compassion. It is this love, this pity, this compassion qui conduit au pardon, qui amène Dieu à pardonner les péchés. Which leads God to forgive the sins. Il leur accorde la miséricorde. He gave them mercy. Il a pitié d'eux. He pitied them. La particularité, c'est qu'il pardonne et il oublie. So the particularity is he forgives and he forgets. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Écoutez, est-ce que vous avez bien suivi et relis encore? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si quelqu'un pêche, if someone sins, et il cache, and he hide it, est-ce qu'il sera pardonné? Will he be forgiven? Donc, que personne ne vous trompe. So let no one deceive you. Il y a quelqu'un qui n'est même pas dans cette ville parce que il a lu le traité, se repentir envers Dieu. There is someone who don't love me, who doesn't love me in this town because he read the tract on how to repent again before God. Il est fâché. Il a écrit un livre sur la repentance. And he is angry and he wrote a book on repentance. Pour lui, on ne doit pas se repentir. For him, we must not repent. Que personne ne te trompe, on se repent. Brother, let no one deceive you. We repent. Celui qui cache, the one who hides, il n'est pas pardonné. He is not forgiven. Celui qui avoue, the one who confesses, obtient la miséricorde. Get mercy. Non, celui qui avoue et qui abandonne, the one who confesses and stop. Celui qui avoue et qui a, il obtient miséricorde. The one who confess and stop receive mercy. Relis le passage. Read it again. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Frère, c'est cet évangile qui sauve une nation. Brother, this is the gospel which saves a nation. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Lis Jérémie 16, versets 5 et 6. Jérémie 5 à 9. 16, on verra comment Dieu peut retirer la miséricorde. Verse 5 and 9. We'll see how God can take back his mercy. Jérémie chapitre 16, versets 5 à 9. Jérémie chapitre 16, versets 5 à 9. Car ainsi parle l'Éternel. N'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux. Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté, ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays. On ne leur donnera point de sépulture. On ne leur pleurera point. On ne se fera point d'incision. Et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet des morts. Et l'on ne fera pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Amen. Amen. Je dis, j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Because I have withdrawn my blessing, my love and my pity from these people. Lis Jérémie 17, verset 4. Jérémie chapitre 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Amen. Through your own fault, you will lose the inheritance I gave you.
I will enslave you to your enemies in a land you do not know, for you have kindled my anger, and it will burn forever. Amen. Quand Dieu retire sa miséricorde, when God withdraw his mercy, tu perds même ce qu'il t'avait donné. You lose even what he gave you. En fait, on devrait demeurer dans la crainte de Dieu pour grandir dans la bénédiction. In fact, we should remain in the fear of God to increase, to grow in our blessings. Si tu veux grandir dans la bénédiction, if you want to grow in the blessing, si tu veux aller de bénédiction en bénédiction, if you want to go from blessing to blessing, apprends à craindre l'Éternel. Learn how to fear the eternal. Apprends à te dire, je ne veux pas faire telle chose. Dieu va me rejeter si je fais ça. Learn to tell, I won't do this thing or this one because God can reject me if I do so. Ne pense pas que dès que Dieu te bénit, c'est fini. Don't believe that as soon as God bless you, it's over. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas you où tu veux. You can do what you want, you go where you want. On a vu les frères bénis. We have seen blessed brothers. On prie. We pray. Dieu leur donne du travail. God gives them work, job. Quand ils ont le travail. When they have jobs. Même leur voix change. Even their voices change. La démarche change. Their way of working change. Leurs relations changent automatiquement. Their relationships change. Et Dieu te dit. And God tells you. Tu perdras par ta faute. You will lose by your own fault. La bénédiction que je t'ai donnée. The blessing that I gave you. Il faut aller méditer sur ça. Go and meditate on it. Mais si tu laisses les faux prophètes te tromper que Dieu là, ça ne, tu ne, non, Dieu est bon, il faut danser, allons. But if you let the false prophet tell you, ah, Dieu ne condamne pas les choses God comme ça. God is good, he's not oui. Condemning people like that. Go and dance. Que vous la CMC là, vous exagérez. You people at CMFI are exaggerating. Allez, on joue un peu, on joue un you peu. Can play, you can joke a while. Celui-là ne connaît pas Dieu. This one doesn't know God. Il n'a même jamais cru. He even has never believed. Oui, quelqu'un a un témoignage. Someone has a testimony. Je voudrais attester ce que le pasteur est en train de dire. I would like to testify what Pastor Mene is saying. Que Dieu peut bénir un homme. God can bless a man. Et la personne peut perdre la bénédiction. And the person can lose the blessing. Par sa propre faute. By his own fault. Que c'est une réalité. And it is a reality. Et je pense que le Seigneur est en train de nous conduire. And I believe that God is leading us. Je suis le frère Ernest Traillé. I'm brother Ernest Traillé. Disciple du pasteur Meunier. Disciple of Pastor Meunier. Ministre assistant du pasteur Meunier dans le domaine de la délivrance. Assistant minister in the domain of deliverance. Nous avons rendu le ministère de brisement des liens à un frère. You ministered the ministry of deliverance to a brother. Par le passé. In the past. Il était très très riche. He was very very rich. Je préfère taire le nom. I decided to not to call on his name. Il a travaillé avec un grand homme dans ce pays. Il était son entrepreneur. He worked with a great man in that country. He was his entrepreneur. Cet homme riche a encore des universités privées en Côte d'Ivoire ici et dans la sous-région. That rich man has some private university in Côte d'Ivoire in the sub-region. Mais quand nous l'avons rencontré, but when you met him, il avait maintenant 12 ans de galère, de souffrance. He was suffering for 12 years now. Parce qu'il avait perdu les véhicules. Because he lost the vehicles. Il était introuvable. You could not find him. Et il souffrait. And he was suffering. Donc son cousin qui est avec nous dans le ministère. Then his cousin who is a brother in Christ in the ministry. Cet homme est béninois. That man came from Benin. Donc le cousin en question est béninois, citoyen céleste aujourd'hui. And that brother is also come from Benin, also a celestial citizen now. C'est lui qui nous avait partagé. He's the one who shared with us. Que j'ai mon cousin qui souffre beaucoup. That my cousin who is suffering a lot. C'est un homme riche. He was a rich man. Et aujourd'hui, il est complètement à terre. But now he's totally poor. Vraiment, je souhaiterais que vous partiez le rencontrer. So I plead with you. I want you to go and meet him. Ou bien, si vous acceptiez, je vais lui dire de venir vous voir. Or if you accept, I
called him to come and see you. À cette époque, nous étions encore à Kumasi. At that period, we were in Kumasi. Il vivait au quartier Divo, un quartier de Kumasi. He was living in an area called Divo. Donc, le siège et le quartier Divo n'étaient pas loin. So the headquarters from the quartier Divo is not far. C'est comme ça nous lui avons dit de venir. This is how we called him to come. Sur l'ordre de ce cousin en question. Upon the order of that cousin. Après avoir causé avec lui. After exchanging with him. Il nous a partagé sa souffrance. He shared with us his suffering. Donc après le brisement des liens. So after the breaking of our ties. Après l'observation. So after observation. D'une semaine. Of 1 week. Nous lui avons demandé d'aller rencontrer maintenant son patron. We asked him to go and meet his boss. C'est là qu'il hésitait un peu. He was hesitating a bit. Il nous disait, ça fait 12 ans. It was 12 years old now. Quand j'ai le malheur d'arriver même au secrétariat. When it happened to me to go and sit his secretary. La secrétaire me chasse. I was chased out by the secretary. On ne veut pas te voir ici. That we do not want to see you here. Mais tu me dis d'aller voir ça, sera le même problème. And he asked me to go and see him. It's going to be the same problem. Je lui ai dit. Tes liens sont maintenant brisés. I ask now, your ties are broken. Tu es devenu un enfant de Dieu. You have become a child of God. Il faut avoir la foi. Have faith. Que ce que nous avons fait, that what we have done, Jésus t'a effectivement délivré. God has effectively delivered you. Il a cru. He believed. La semaine tu suivais. The following week. Après l'exhortation. After exhortation. Il allait voir le patron. He went to see the boss. Là où on le chassait au secrétariat. Where he was chased out of a secretaryship. Il arrive. He arrived there. Et la secrétaire lui dit. And the secretary told him. À cause de toi, on risque d'avoir les problèmes ici. That because of you, you can have problem here. Parce que le patron te cherche. Because the boss is looking for you. Et il veut nous renvoyer. And he want to dismiss us. Viens, je vais arranger un rendez-vous rapidement. Come, I make an arrangement of tu vas aller voir le patron. To go and sit the boss. Il est rentré. He came back. Il nous a raconté ce que je viens de vous dire. He shared with us what I've told you. Nous avons prié ensemble. We prayed together. Au jour J. The D-Day. Il est parti. He went. Là où je vous dis là, il n'avait pas de veste ni de chaussures. Il a emprunté un costume et puis des chaussures pour partir au rendez-vous. I'm telling you, he did not have no costume, no shoes. So he borrowed costume and shoes to go to his appointment. Alors, il va donc rencontrer maintenant le patron au jour du rendez-vous. So he meet the boss the D-Day of the appointment. Il a reçu, le patron est là, les deux sont assis. He met his boss, both are together. Le patron lui pose la question. His boss asks him questions. Bah, je vais dire le nom. Mais Monsieur Léon. I tell the name, Mr. Léon. Mais depuis 12 ans, je vous cherche. For 12 years, I've been looking for you. On me fait savoir que vous avez réussi, vous êtes aux États-Unis, qu'on ne peut plus même vous attraper. So I overheard that you succeeded. You are now in USA. That we cannot even meet you. Je dis, celui que je vous parle, il a l'âge, il doit avoir 70 à 71 ans. The one I'm talking about can be 70 or 71 years old. Il a commencé à couler les larmes. He started crying. Il dit, mais patron. He said, boss. Je suis au quartier Divo de Kumasi. I'm living in quartier Divo of Kumasi. Durant les 12 ans où tu dis tu me cherches là. For the 12 years that you were looking for me. Quand je viens même te rencontrer ici au secrétariat. When I come to seek for you at the secretaryship. C'est ici qu'on me chasse au secrétariat ici. It is here at the secretariat that I'm chased out. Et on me fait croire que tu n'as plus besoin de moi. And I was told that you do not need me anymore. Le patron était tombé des nues. His boss was astonished. Lui-même il ne comprenait pas. He himself could not understand. Mais Dieu venait d'enlever un voile aux yeux du patron. But God has removed a veil from his boss face. Séance tenante. On the spot. Et il s'est adressé directement à Léon, mais c'est là Monsieur Léon. Then he spoke straight to Léon. Il dit, je n'ai plus les traces de tes dossiers. So I do not have any contact with your file. Va reconstituer ton dossier. Then make your file new. Viens me donner main à main. Come and give it to me hand to hand. Ça sera un marché maintenant de gré à gré entre toi et moi. It's going to be a market without any bargain between you and me. Le patron met la main dans la poche. The boss put his hand in his pocket. Il fait sortir un billet de 10 000.
Okay, 10,000 banknotes. Il remet à Monsieur Léon comme son transport. He gave to Mr. Léon as his fare. Je vous dis, après 12 ans. I'm telling you, after 12 years old. C'est la toute première fois qu'il emprunte maintenant un taxi. It's the first time that he need to board a taxi. J'étais au portail quand le taxi a garé. I was at the gate when the taxi came. Il dit non, pasteur, rentrons, rentrons. Et Dieu est en train de travailler. He said, pastor, let's go, let's go. God is working. Et il m'a raconté ce que je viens de vous conter tout à l'heure. He explained to me what I've told you now. Je lui ai dit, nous, notre mission, c'est de prier. I told him, our mission is to pray. Toi, tu connais ton travail. You know your work. Va reconstituer ton dossier. Go and make your file at new. Viens, nous allons prier. Come, you pray. Tu vas le déposer. You go and submit it. C'est ce qu'il a fait. This is what he did. Il est parti. He went. Le patron l'a pris dans son véhicule. The boss took him in the vehicle. Ils sont allés et le patron lui a montré le terrain en question. So they went and the boss showed him the land. À Yopougon. In Yopougon. Ils sont rentrés. They came back. Il est venu me trouver. On avait déjà déménagé. L'église était venue à Adjamé. At that time, we already moved. Il est venu me voir au bureau. He went to meet me at my office. Nous sommes partis sur le terrain. We went on the plot. Nous avons consacré d'abord le terrain. We consecrated first the plot. Il a commencé les fouilles. He started the Nous sommes repartis, bénis le terrain. He went back and blessed the land. Il a commencé le montage. He started building. Il a bâti l'immeuble. He built a story building. C'est une école privée. It is a private school. Pour son patron. For his boss. Quand ils ont fait le devis. When they made the calculation. J'ai vu le devis de mes deux yeux. I saw with my own eyes. Plus de 720 millions. More than 720 millions. Le Seigneur l'a restauré. The Lord restored him. Et il m'a dit avec ça. And he told me with that. With même this, si je n'ai rien eu. If even I've not got anything. Je peux avoir encore 4 voitures. I can even get 4 cars back. Je peux m'acheter 2 maisons. I can buy 2 houses. Je pense que ma retraite est garantie. I'm going to feel that I can go. I can retire peacefully. Il est béni. He's blessed. L'argent est rentré. He has now money. Il vit très bien. He lives happily. Sa condition de vie a changé. His living condition has changed. Un jour, one day, il vient me trouver au bureau. He came and met me at my office. Et il me dit, je suis venu te voir. He said, I've come to meet you. Que vraiment, really, je voudrais te demander pardon. I would like to beg you. J'ai vu une femme au dehors. I saw a woman outside. Elle me plaît beaucoup. I love her much. Je voulais la prendre comme une deuxième épouse. I want to take her as a second spouse. Il est marié légalement. I'm telling you, he's legally married. Et pendant dans sa galère. And while he was suffering. C'est sa femme légitime. It was illegitimate wife. Qui faisait les travaux de servante. Who was working as a housewife. Pour subvenir aux besoins de la famille. To take care of a house. Et alors quand l'argent est rentré, so when he got money, la folie aussi est rentrée. So he also became mad. Comme il avait l'âge de mon père, since he had the age of my father, je lui ai dit dans mon bureau, I told him in my office, si tu n'avais pas l'âge de mon père, if you did not have the age of my father, j'allais te chasser de mon bureau comme un enfant. I would have chased you out of my office as a child. J'ai l'impression que tu as oublié le passé. I have the impression that you are forgetting the past. On dirait tu ne sais pas d'où tu viens. I think that you do not know where you are coming from. Quand il est sorti de mon bureau. When he came out of my office. Quand j'apprenais ses nouvelles. When I heard news about him. Il partait payer sa dîme dans l'église catholique. He was going to pay his tithe in the Catholic church. Il a continué cette vie. He continued with that life. Dans la débauche. Living in sin, in adultery. Un jour. One day. Nous étions là. You were there. Et j'ai reçu un SMS sur mon téléphone. And I received a short message on my phone. Que si tu es un frère de Léon ou bien un ami ou bien un camarade. That if you're a brother or a friend of Léon. Il a piqué une crise ce matin. So he had an attack this morning. Et pendant qu'on amenait aussi Achille de Cocody. When he was being led to the teaching university of Cocody. Il a succombé sur la route. And he died on the road. Il est mort. He died. Il a laissé les 4 voitures derrière lui. He left the 4 vehicles behind him. Il a laissé la copine en question. He left the second wife. Il a laissé sa femme.
He left his wife avec les cinq enfants with the five children et les petits enfants and the great children. Et c'est pourquoi je voudrais attester que ce que le pasteur est en train de dire, quelqu'un peut perdre la bénédiction. This is what I'm saying that I can testify par sa propre faute. Somebody can lose his blessing by his own fault. If God blesses you, et c'est vrai, Dieu bénit. It is true, God blesses. Voici une preuve. This is a proof. Mais par sa propre faute, but through his own fault, il a perdu la bénédiction. He lost the blessing. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Frère, cet évangile, brother, this gospel, c'est cet évangile qui sauve les nations. Is the one which saves the nations. C'est ça qui amène au ciel. This is the one who sent to heaven. Dieu te donne le salut. God gives you salvation. Si tu le méprises, if you despise it, il retire sa miséricorde. He take back, he remove his mercy. Tu perdras par ta faute. You will lose by your own fault. L'héritage que Dieu t'a donné. Look at what God has given you. Pas qu'il veut te donner, il t'a déjà donné. It's not like he wants to give it to you. He had already given it to you. Et tu reçois un faux prophète. And you receive a false prophet. Il te dit quoi? He say you. Que tu ne pêches pas. You are not sinning. Mais oh non, on pêche. No, you can sin. On a Jésus. Cela n'appelle même pas Jésus. On a Jésus. Une femme me disait, mon pasteur dit Jésus. Donc tu ne sais même plus si c'est Jésus de Nazareth. Satan est vaincu. The devil is overcome. Si tu es sauvé, if you are saved, tiens ferme. Remain firm. Et résiste aux mensonges. And resist liars. Donc tu le retiens. So you keep it. Que tu es sauvé. That you are saved par grâce, by grace, au moyen de ta foi. Through your faith. Que la grâce enseigne. That the grace teaches. Qu'on se sépare du péché. That we get separated from any sin. Et ta foi. And your faith. N'est pas une simple croyance. Is not a mere believing. Au fait. Of fact. Aux histoires. Into ce n'est pas une adhésion intellectuelle. It is not a just an intellectual acceptance. C'est une perception invisible. It is an invisible seeing. Dans l'invisible. You see in the invisible. Tu vois la gloire de Dieu. You see the glory of tu God. Tu crois ses promesses. You believe into tu his crois promises. Que ce que Dieu dit de toi va s'accomplir. And you believe that all that God says about you tu crois will happen. À la miséricorde. You believe into the mercy. Tu crois que un homme ne cache pas son péché. You believe that a man does not hide. Si tu caches ton péché. And if you hide your sins. Tu ne vas pas grandir. You won't grow. Tu ne vas pas prospérer. You won't prosper. Mais si tu le reconnais. But if you acknowledge. Tu le confesses. You confess. Tu l'abandonnes. And you forsake it. Tu obtiens miséricorde. You will receive mercy. Donc il y a les principes. So there are principles. Il faut pas garder les mots sans chercher leurs racines. Don't look at the word without looking for the roots. C'est ce qui fait leur vérité. What makes the truth? Quand on parle de miséricorde, when we speak about mercy, on veut dire qu'il ne faut pas cacher ton péché. We are just saying that you should not hide your sin. Il faut le reconnaître. You must recognize it. Tu le confesses. And you confess it. Tu l'abandonnes. And you forsake it. Dieu te donne sa miséricorde. And God gives you his mercy. Et un homme normal, a normal man, vit dans la contrition. Lives into contrition. Dans les supplications. In pleadings. Dans la crainte. In fear. La crainte de provoquer la colère de Dieu. The fear to call upon God anger. Et c'est ce que Dieu attend de chacun. And it is what God is awaiting from each of us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La semaine prochaine, nous verrons l'élection, le principe de l'élection, pas l'élection, next week, le principe de l'élection. We'll see the principle of election. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you.